Merci beaucoup d'être revenu une deuxième fois. Donc, juste pour qu'on se souvienne un tout petit peu où est-ce qu'on avait fini le cours la semaine dernière. Donc, on avait cette notion de courant, hein, et on était arrivé à écrire les fonctions de partition d'un graphe, enfin d'Ising. Si vous vous rappelez, il y avait un ensemble de, donc, qui a été défini par la somme des produits pour x appartenant à A de sigma x fois l'exponentielle de moins bêta fois le hamiltonien. Donc cette quantité, on était arrivé à l'écrire en termes de courant aléatoire en disant que c'était 2 puissance le nombre de sommets dans mon graphe fois la somme sur les courants. Donc les courants, je vous rappelle, c'est tout simplement des fonctions qui vont des arêtes dans les entiers, dont les sources étaient, l'ensemble des sources était exactement A, d'un certain poids, que je vous rappellerai un peu plus tard quand on l'utilisera pour le courant. Donc c'était une somme sur les, une somme avec des poids sur les courants. Et je vous rappelle que la définition de source, un sommet est une source si la somme des courants sur les arêtes incidentes est impaire. Et donc ça, ça permettait en particulier, hein, une des conséquences de ça, c'était que si on regardait la moyenne des spins sur l'ensemble A, alors c'était juste le rapport entre la somme sur les courants dont les sources sont A. Je ne fais que rappeler ce qu'on a fini la semaine dernière, donc c'est parfait. Enfin, ce sur quoi on a fini la semaine dernière. Donc, c'était un rapport de deux sommes sur des courants. D'accord? Puisque c'est tout simplement la fonction de partition, c'est-à-dire Z de l'ensemble vide, enfin Z de A divisé par Z de l'ensemble vide. Donc, on obtient bien cette somme divisée par la même somme avec A qui est l'ensemble vide. On était arrivé là et il y avait un petit problème là. Enfin, il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait satisfaisant, qui était le fait que ce n'est pas vraiment écrit comme la probabilité de quelque chose. Parce que l'ensemble sur lequel on somme en haut n'a rien à voir avec celui sur lequel on somme en bas. Donc le but là, dans le début de ce cours, ça va être d'essayer de pallier à ça en introduisant une nouvelle technique et qui est en gros la grosse technique pour ce qui est courant aléatoire. Donc petit b, ça va être le switching lemma. Je vais garder la dénomination anglaise. Ce switching lemma, il va exactement en fait nous permettre de se débarrasser du problème ici du fait que les sources ne sont pas les mêmes. Donc l'idée du switching lemma, ça va être de pouvoir en fait, quand on a une paire de courants et non pas seulement un courant, faire passer des sources qui sont sur un courant à l'autre courant, c'est-à-dire intervertir les sources entre deux courants. Je vais directement, je pense, vous énoncer le lemme, donc ce fameux switching lemma. Donc ça va concerner deux courants. Et l'idée, ça va être, donc si je prends A inclus dans VG, et puis aussi X et Y, deux autres éléments de VG, je vais juste l'énoncer pour une paire. Il y a des versions un tout petit peu plus générales, mais on ne s'en servira pas. Donc restons dans quelque chose d'assez simple. Si je fais la somme sur les courants, donc je vais prendre un courant dont les sources c'est A, et l'autre courant, ses sources vont être exactement X et Y. Donc je regarde W de N1, W de N2, et puis il y a bêta, n'oublions pas. Et ce que je vais refaire, c'est que je vais regarder une certaine observable de la somme des deux courants. Donc je vais regarder f de n1 plus n2. Donc ça va être également vrai pour toute fonction f qui va de l'ensemble des courants, donc de n, EG, dans R. Donc ça, c'est la première somme que j'ai envie de considérer. Et j'aimerais intervertir, c'est-à-dire j'aimerais que les sources qui sont sur ce courant n2 finissent sur le courant N1. Et pour faire ça, donc soyons optimistes et disons qu'on arrive à faire ça. Donc on arrive à, sans rien payer à écrire ça comme ça. Donc mon but, c'est d'explorer... Hop là, ça tombera pas plus bas. Mon but serait d'essayer d'avoir aucune source sur le deuxième courant. Et donc du coup, on peut faire ça en fait. Pensez si j'avais source, si j'ai un courant avec des sources à A et un courant avec des sources à B, la somme des deux courants va avoir des sources à A delta B, la différence symétrique entre les deux et non pas l'union. Vous êtes d'accord? Si vous prenez deux courants avec des sources XY, quand vous faites la somme, il n'y a plus de source du tout. Donc ici, je vais faire symétrique différence avec XY. Et donc ça, bah, ce serait parfait si on avait quelque chose écrit comme ça. Alors juste ici, pour vous montrer qu'une inégalité comme ça a peu de chances d'être vraie, pensez que A, c'est aussi XY. D'accord? J'ai XY, j'ai XY. Du coup, on l'a dit, hein, un courant avec des sources à x, y, il y a forcément un chemin qui va de x à y. Mais du coup, ici, dans la somme de n1 plus n2, il y aura forcément toujours un chemin qui va de x à y. Or, si on fait la différence symétrique ici, on va se retrouver avec pas de source, pas de source. Ici, on va sommer sur plein de fonctions. Beaucoup d'entre elles, les courants ici, n'auront pas de chemin entre x et y. Donc vous voyez déjà que, par exemple, si vous prenez une fonction qui vaut 0 sur tous les courants qui ont un chemin entre x et y et qui est non 0 sur tous les autres, qui est strictement positif, là je vais avoir quelque chose a priori de strictement positif et ici quelque chose de 0, ça ne peut pas marcher. C'est pas ça. Donc il y a entre guillemets quand même une condition avec x connecté à y, et la magie du switching lemma, c'est qu'en fait c'est la seule condition qui est. C'est-à-dire qu'ici, il faut juste rajouter l'indicatrice que x est relié à y dans n1 plus n2. Alors quand j'ai ça ici, je vais vous dire un tout petit peu ce que j'entends par ça, parce que c'est peut-être pas très clair. Donc ce que je vais faire, être relié à, on voit bien ça quand on regarde des configurations de percolation, d'accord, quand on voit un sous-graphe. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter une petite notation, un petit chapeau comme ça. Donc définition, n chapeau de E, ce sera 1 si NE est strictement positif et 0 sinon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en quelque sorte je peux voir d'un courant, je peux lui associer une configuration de percolation ou si vous voulez un sous-graphe du graphe initial en disant une arête est ouverte si le courant est positif et elle est fermée s'il est non zéro. Et donc maintenant j'ai un sous-graphe d'arête ouverte et je regarde si j'ai un chemin ouvert entre X et Y. C'est ça que j'entends par ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, oui, donc là, ici, ça veut vraiment dire, si vous voulez, donc si j'ai x et si j'ai y qui est là, et que je regarde la trace de la somme de n1 et n2, donc j'ai mes courants comme ça, qui font des choses comme ça, je veux qu'il y ait un chemin de x à y, donc que je puisse aller de x à y en n'utilisant que des arêtes pour lesquelles la somme des deux courants est strictement positive. Alors, essayons de montrer ça. Donc ça, je vais appeler ça gauche, et ça, ça va être droite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'écrire, on va écrire petit n, ça va être n1, et petit m, ce sera n1 plus n2. On va faire un changement de variable, comme ça. D'accord? Et regardons la somme de gauche. Bon, donc la somme de gauche, donc c'est la somme sur n1. Les sources de N1, c'est A. Les sources de N2, c'est XY. Excusez-moi, on va prendre N2, peut-être, ce sera plus simple. Donc M, dans ce cas-là, ces sources, c'est bien la différence symétrique entre N1 et N2. Entre A et XY, excusez-moi. Et puis, je vais avoir N, qui est plus petit que M, forcément, puisque avec cette construction. Et je dois avoir que petit n, ces sources, c'est XY. Après, j'ai f de m. Parfait. Et maintenant, j'aimerais exprimer w bêta de n1, w bêta de n2 en termes de w bêta de m. Alors, faisons juste dans notre tête, peut-être ici, là, un petit calcul. Donc, w bêta de n1, w bêta de n2, c'est le produit sur toutes les arêtes E de bêta puissance n1e plus n2, enfin n1 plus n2e, sur n1 E factoriel, N2 E factoriel. Vous êtes d'accord? Ça, c'est juste la définition. Mais vous remarquez que là, on a un bêta puissance ME, donc ça, c'est très bien. Et ici, on a quasiment un coefficient binomial. Si on multiplie par ME factoriel et on divise par ME factoriel, on va obtenir exactement W bêta de M fois ce que je vais appeler N chose, enfin M parmi M, où là, j'entends par là le produit sur toutes les arêtes E de NE, ME. Exactement la même chose. Donc du coup, ici, c'est parfait. J'écris W bêta de M. Et j'ai donc un N parmi M. Donc ça, c'est le membre de gauche. Et je vais le réécrire. Je vais juste regarder, je vais fixer M. Donc ça va être A delta XY. J'ai F de M, décidément, F de M, W bêta de M. Et ici, j'ai la somme sur n plus petit que m n parmi m. Voilà. Alors, quelle est l'interprétation de ce terme-là? Il y a une interprétation combinatoire très jolie. Pour chaque... donc, j'ai un graphe. Donc, j'ai un ensemble d'arêtes. À chaque m, je peux associer naturellement un graphe m ronde défini comme suit. Pour chaque arête, je vais mettre autant d'arêtes que ME. Donc si ça c'est l'arête E et que ME vaut 5, je vais mettre 5 arêtes entre ces deux sommets. Si ME vaut 0, je ne mets aucune arête, etc., etc. Donc une arête, disons 2 arêtes, etc. Je crée comme ça un multigraphe dont l'ensemble des sommets est VG, et puis l'ensemble des arêtes est quelque chose où je multiplie les arêtes entre chaque... c'est M. N parmi M, ici, enfin, cette chose-là, en fait, ça va compter quoi? Ça va compter exactement le nombre de sous-graphes de M, qui est exactement degré impair en X et Y, et degré pair partout ailleurs. Vous pouvez vérifier, ça revient exactement à ça. Parce que le NE parmi ME, c'est exactement le nombre de façons de choisir NE arêtes parmi les ME arêtes. Et après, la condition ici va correspondre exactement à dire que le degré est le bon, etc. Donc cette chose-là, c'est un tout petit... Vous pouvez essayer de regarder ça vous-même, c'est peut-être beaucoup mieux si vous essayez de vous convaincre. C'est le nombre de sous-graphes N de M, donc avec le même ensemble de sommets, mais pas le même ensemble d'arêtes, tel que, on va dire, d rond N égale XY, dans le sens où là, ce que j'entends par d rond N, c'est vraiment l'ensemble des arêtes qui ont un degré impair. Voilà, donc ça, c'est une première interprétation, complètement combinatoire. Ça vient vraiment de la forme du poids W bêta et de rien d'autre. C'est une interprétation combinatoire de notre terme. Maintenant, si je prends le terme de droite et que je fais la même chose, allons un tout petit peu plus vite, je vais de nouveau avoir la somme. De nouveau, le N1 plus N2 va avoir comme ensemble de sources A delta XY. Je vais avoir F de M. Je vais avoir un W bêta de M. Et là, je vais avoir quelque chose d'un tout petit peu différent. Je vais avoir l'indicatrice de X relié à Y dans M bar, dans M chapeau, fois la somme, cette fois pour les N plus petits que M, mais sans source, de N parmi M. Et donc là, de nouveau, j'ai la même interprétation, c'est l'ensemble des sous-graphes de M qui ont cette fois aucune source. Tous les degrés sont pairs. Donc si je veux prouver le résultat, il me suffit de montrer que cet ensemble-là a le même cardinal que cet ensemble-là. Donc l'ensemble des n inclus dans M, tel que... Donc là, c'est vraiment l'ensemble des even subgraphes, donc des graphes dont tous les sommets ont degré pair. Oui. Dans le dossier, où tu les mains, c'est vraiment dans D, hein, c'est vraiment DN1 égale 1 delta xy. C'est pas l'écart entier de la somme. Alors, ça revient à faire la chose pour la somme, mais c'est vraiment ça que je veux. Là, quand tu fais le changement de variable n égale n2 et m égale n1 plus n2, c'est vraiment le terme de droite vaut exactement ça. Ouais. C'est-à-dire que là, effectivement, on s'en sert pour la somme, mais c'est vraiment ce que j'ai comme objectif, c'est ce terme-là. Voilà. Voilà, exactement. C'est équivalent à dire pour la somme. C'est-à-dire ça, plus cette condition-là, te donne cette possibilité-là seulement. Alors, pourquoi il y a une égalité entre ces deux choses-là? Est-ce que quelqu'un a une idée? Bon, déjà, il y a un cas simple. Imaginons que x et y ne sont pas reliés dans M. D'accord? Donc, si x n'est pas relié dans M chapeau à y, c'est-à-dire dans M ronde, si vous voulez. S'il n'y a pas de chemin entre x et y dans M ronde. Donc, ce terme-là vaut 0. Donc, on appelons petit d. Donc, petit d égale 0, ça c'est clair, puisque petit d, c'est ça. Hein, c'est ça fois cette chose-là, excusez-moi. C'est l'indicatrice fois ça. Donc, ça vaut 0. Mais ici, petit g, bah, petit g vaut également 0. Pourquoi? Parce que si vous avez comme ensemble de sources seulement x et y, il existe forcément un chemin entre x et y pour n'importe quel graphe n dont les sources sont x et y. Si on n'a déjà pas dans M, il n'y en a pas dans quelconque sous-graphe de M. Mais donc G égale 0, car donc, si vous avez ça égale xy, cela implique que x est relié à y dans N, et donc du coup dans M. Voilà, donc dans ce cas-là, c'est 0 dans les deux cas. Maintenant, dans l'autre cas, si x est effectivement relié à y dans M, comment on peut voir qu'en fait, les deux ensembles ont le même cardinal? Il y a une bijection très simple entre les deux. Enfin, il y a beaucoup de bijections très simples entre les deux, mais il y en a une en particulier qui consiste à dire, prenez n'importe quel graphe K, donc prenons K, plus petit que M, tel que l'ensemble des sources, c'est XY. Tout simplement, vous pouvez prendre un chemin qui va de X à Y, vous savez qu'il y en a un, donc vous en prenez un, et vous prenez la transformation S qui à N associe N différences symétriques avec K. C'est une involution, donc c'est bijectif. Et dans le cas présent, si j'ai aucune source dans N, je me retrouve exactement avec des sources à xy et vice-versa. Donc il y a une bijection entre les deux, donc est bijective. Donc en fait, les deux ensembles ont le même cardinal. Donc G égale D. Voilà, c'est tout simplement, c'est la fin de la preuve, il n'y a pas plus que ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce switching lemma? Bah, première chose, par exemple, corollaire. Si je prends le carré d'une corrélation entre deux spins sigma x et sigma y. Ça vaut quoi? Ça va être un corollaire qui contient la preuve, donc c'est parfait. Ça vaut Z. Non, on va peut-être écrire la preuve, et en écrivant la preuve, on aura l'énoncé. Donc sigma x, sigma y au carré. Donc c'est Z de xy au carré sur Z de l'ensemble vide au carré, hein, j'enlève le G, le bêta, enfin toutes les dépendances qui sont évidentes. Donc ça, si je l'écris sous la forme du switching lemma, c'est tout simplement la somme sur d rond n1 égale xy et d rond n2 égale xy de w bêta n1, w bêta n2 divisé par la même somme mais cette fois sans source. Vous êtes d'accord? Mais maintenant, vous voyez bien que si j'utilise le switching lemma sur la quantité d'en haut, si j'échange les sources ici, la différence symétrique va devenir 0, donc je vais bien avoir aucune source. Et la seule chose que je dois rajouter, c'est l'indicatrice que x et y sont reliés dans n1 plus n2. Donc cette chose-là, c'est tout simplement la somme sur d rond n1 égale d rond n2 égale l'ensemble vide de w bêta n1, w bêta n2, fois l'indicatrice de x relié à y dans la somme, le tout divisé par cette somme. D'accord? J'ai juste utilisé ça, c'est le switching lemma. Et maintenant, il me semble que je vous avais défini une loi sur les courants qui était proportionnelle. La loi d'un courant était proportionnelle à son poids, W. Donc là, comment je réinterprète ça en termes de courant, en termes de cette loi? Ben, là, le produit des deux, vous voyez, c'est prendre juste deux courants indépendants. Donc ça va être exactement P. Donc si je me souviens bien, j'avais dû utiliser une notation comme ça pour dire ça, c'était la loi sur les courants sans source sur le graphe G à température inverse bêta. Donc ça va être la loi de N1. Je vais prendre le produit avec la loi de N2. Donc je prends deux courants indépendants et je regarde est-ce que X est relié à Y dans N1 plus N2. Donc maintenant, j'ai vraiment une interprétation en termes de courants aléatoires. Voilà. Le prix à payer, c'est qu'il faut passer par le carré des corrélations. Et c'est un bon prix à payer parce qu'en fait, c'est naturellement, vous verrez un peu plus tard, on va en reparler, c'est souvent les carrés en fait, qui satisfont de bonnes relations. Ça va? Donc en quelque sorte, là maintenant, on a un modèle de percolation, si vous voulez vraiment penser en termes de percolation, pour ceux qui ont un peu l'habitude de la percolation de Bernoulli. On a un modèle de percolation qui est donné par la somme, la trace de la somme de deux courants aléatoires et les énergies, les corrélations de spin sont réécrites en termes de probabilité de connectivité pour ce modèle de percolation très dépendant, lui, pour peu. Hein. Ce n'est pas du tout de la percolation de Bernoulli. Les sources vous forcent énormément de dépendance, enfin la contrainte sur les sources. Bon, bah, continuons dans les autres corollaires un peu. Si vous n'avez jamais vraiment travaillé avec le modèle d'Ising, c'est des résultats qui ne sont pas complètement élémentaires. Donc, par exemple, pourquoi... Ah, là, j'aurais peut-être pu dire, donc juste entre parenthèses, une petite remarque. Si je regarde sigma 0 plus g bêta au carré, est-ce que quelqu'un a une idée comment ça s'écrirait probablement? Vous vous rappelez, quand on met le plus, ça veut dire qu'on rajoute un sommet et il n'y a pas de contrainte sur les sources de ce sommet-là. Donc là, en fait, cette chose-là, vous pouvez réfléchir rapidement, ça va revenir à dire si je prends, j'avais utilisé G, il me semble, peut-être pour le... Si je prends deux courants aléatoires sur vraiment ce graphe enrichi d'un sommet, ça va être la probabilité, en fait, que 0 est relié à ce sommet G dans N1 plus N2. Vous pouvez vérifier, c'est exactement le même calcul. Ça marche de la même façon. Oui, alors, donc il y a le graphe G. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, c'était pas bien déjà. Non, je me doute que vous n'aviez pas le choix. C'est ça, il y a des gens qui ils venaient tous de loin. Hop là. Donc tous les éléments qui sont sur le bord du graphe, je les relie au sommet G, qui, lui, est considéré comme étant un sommet qui n'est même pas dans Zd. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose. Donc maintenant, un autre corollaire, c'est qu'on a défini bêta C comme étant la plus petite valeur de température inverse, telle qu'il existe une magnétisation spontanée. Pour que ça, on avait dit c'est l'infimum de ça. Par contre, ce n'était pas tout à fait clair pourquoi au-dessus, ce serait toujours positif, la magnétisation spontanée. Pourquoi en bêta, les corrélations croissent. Bon, bah là, on va le voir de façon assez facile. Donc, par exemple, si je prends la dérivée par rapport à bêta de sigma x, sigma y avec free, ça, ça va être positif. Et puis aussi, mais je ne vais pas faire la preuve, mais vous pouvez montrer exactement la même chose. Là, c'est g bêta avec juste la corrélation avec des conditions plus. On peut faire beaucoup mieux que ça, hein, mais je vais juste me concentrer sur... sur l'essentiel. Donc comment on arrive à montrer ça? Donc ça, ça justifie vraiment le fait qu'effectivement, il y a de plus en plus d'ordre dans le modèle. Toutes ces choses-là, hein, il faut savoir, par exemple, le fait que cette dérivée est positive, il y a des milliards de façons de le faire. Hein. C'est pas du tout, c'est probablement pas la façon la plus simple de faire. C'est pas loin d'être la plus rapide, mais c'est pas la plus rapide. Mais en tout cas, là, elle arrive assez naturellement dans le cours, donc je vais pas me priver de vous montrer ça. Alors, prenons donc le terme d sur d bêta de sigma x, sigma y, et puis je vais juste enlever le f, le g et le bêta. Donc cette dérivée, c'est la dérivée de la somme. Je ferai moi-même le ménage après, parce que je suis en train de sigma x, sigma y exponentielle de moins bêta fois la somme de sigma u, sigma v, enfin plus bêta, sigma u, sigma v, pour u voisin de v, divisé par ça, somme sur sigma bien entendu. Donc quand on différencie ça, qu'est-ce qu'on obtient? Différentiel d'un rapport, on va avoir le carré en bas, et en haut, on va obtenir la somme de sigma x, sigma y, sigma u, sigma v, exponentielle de bêta, somme de sigma u, sigma v. Donc ça, c'est la dérivée du terme d'en haut. Le tout fois, donc ici, si je mets au carré, fois cette somme-là. Hop là, excusez-moi. Ça, ça va être le terme du haut. Et on va avoir moins la somme de sigma x, sigma y exponentielle de bêta. Je fais ce calcul une fois. En général, quand on l'a fait une fois, on n'a pas besoin de le refaire. Mais si on ne l'a jamais fait, ça peut paraître un tout petit peu bizarre comme calcul. Donc, somme sur x et y. Enfin, somme, excusez-moi. Qu'est-ce que je fais? Justement, quand on l'a fait une fois, j'ai dit... Ah, ouais. Ici, ça va faire sigma u, sigma v, exponentielle de bêta, somme de sigma u, sigma v. Donc, c'est une somme horrible, mais c'est très, très simple à réécrire parce qu'en fait, cette chose-là, c'est quoi? C'est la somme sur u voisin de v. Et là, ici, il y a une somme sur u et v aussi. C'est la somme sur u voisin de v. Et donc, si on somme sur u voisin de v, ici, on a quoi? Cette chose-là, donc là, ça se simplifie. On va avoir sigma x, sigma y, sigma u, sigma v. Vous êtes d'accord? Et ici, donc si on sort la somme de u voisin de v, on a ça divisé par la chose d'en bas, c'est-à-dire sigma x, sigma y, la corrélation de sigma x et de sigma y. Et ce terme-là ici, on va avoir la somme avec sigma u, sigma v exponentielle de blabla, divisé par la fonction de partition, c'est-à-dire c'est sigma u, sigma v. Donc on obtient quelque chose qui est toujours, c'est toujours ce qu'on va obtenir dans ces cas-là. On obtient la somme sur u voisin de v de la covariance entre sigma x, sigma y et sigma u, sigma v. D'accord? Et ça, c'est quelque chose, si vous regardez la différentielle pour la percolation de Bernoulli, en fait, vous pouvez toujours interpréter ça en covariance. Ça va être entre votre fonction x et la valeur de l'arête la valeur ouverte ou fermée des arêtes, la somme sur ça. Si vous prenez le random cluster, ça va être la même chose, les modèles de Potts, etc. Toutes ces fonctions, quand on a une probabilité qui est proportionnelle à un terme de ce type-là, on voit toujours apparaître les covariances. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ce calcul une fois, en général, on arrive bien à le refaire pour d'autres modèles. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser le switching lemma ici pour voir que ces termes-là sont positifs? Donc, par exemple, idéalement, que ce terme-là, pour tout UEV et pour tout XY, est positif. Donc si je prends sigma X, sigma Y, sigma U, sigma V, moins le produit, si je le réécris en termes de fonction de partition, donc j'ai Z de l'ensemble vide au carré, j'ai Z de X, Y, U, V, Z de l'ensemble vide moins Z de X, Y, Z de U, V. Maintenant, ici vous voyez cette chose-là. Alors ici, il faudrait être un tout petit peu plus précis. Quand je dis x, y, uv, quand je dis que les sources sont x, y, uv, vous comprenez bien, si y et u sont égaux, j'entends vraiment la différence symétrique en fait. Là. Hein? Donc c'est la différence symétrique de ces quatre éléments. Donc ici, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de passer les sources de uv à x, y. Les sources du deuxième courant au premier courant. Si je fais ça, je vais me retrouver avec, on va avoir toujours le Z de l'ensemble vide au carré. Ici, je vais avoir la somme sur le premier courant, va avoir source X, Y, delta, UV. Le deuxième courant n'aura plus de source. Ici, je vais avoir W de N1, W de N2. Et ici, je vais avoir W de N1, W de N2, mais je vais aussi avoir l'indicatrice que U est reliée à V. Relié à V, je ne sais pas pourquoi j'ai mis, bon, bref, peu importe. Donc là, ça va me donner 1 moins l'indicatrice de U relié à V dans N1 plus N2. Comme ça. Mais cette chose-là est toujours positive. Donc ce terme-là est toujours positif. Donc vous avez automatiquement que la dérivée est positive. D'accord? Juste, donc voilà, ça c'est la fin de la preuve. Juste ici une remarque à essayer de retenir, c'est que sigma x, sigma y, sigma u, sigma v, moins sigma x, sigma y, sigma u, sigma v, c'est en fait écrit comme la probabilité avec le premier va avoir des sources à x, y, delta uv. Le deuxième courant n'aura aucune source. Et c'est la probabilité du coup, puisque c'est 1 moins, c'est la probabilité que U n'est pas relié à V dans N1 plus N2. Donc ça, ce sera très utile dans la suite du cours. Pourquoi? Parce que là, c'est ce qu'on appelle une corrélation tronquée. On prend deux observables, X et Y, et on regarde la moyenne de XY moins la moyenne de chacun des deux termes. Donc c'est une corrélation tronquée. Et on la écrit en termes de probabilité de quelque chose qui se passe pour la somme de deux courants. Donc l'une des forces de cette représentation en courant aléatoire, c'est d'avoir des expressions très explicites pour les fonctions tronquées. Oui? Est-ce qu'il est évident que c'est symétrique en x, y et uv? Non. Ça veut dire que la meilleure façon de le voir, enfin de mon point de vue, c'est de passer par là. Ouais. C'est une bonne observation. Oui. Oui. Elles sont vraies en fait pour n'importe quelle, exactement. Et vous auriez pu mettre un ensemble A même ici, ça ne changeait rien. Ouais. Ça aurait pu être le produit des sigma x pour x dans A, ça marchait très bien. C'est une bonne remarque. D'ailleurs, on va s'en servir ici. Donc là, on va vraiment, mettons vraiment pour tout x, y, u et v. Il n'y a vraiment aucune contrainte. Voilà. Donc ça, c'était pour les premières applications. Peut-être peut-être une dernière application. Donc propriété. C'est ce qu'on appelle l'inégalité de Simon Lieb. En fait, celle que je vais exprimer, c'est plutôt celle de Lieb, mais on peut obtenir l'autre en fait assez facilement. Donc prenons X, prenons un ensemble S inclus dans Zd, donc dans les sommets de Zd, qui séparant 0 de x. Ce que j'entends par là, c'est que n'importe quel chemin qui va de 0 à x doit passer par un sommet de S. D'accord? Donc, sur un dessin, voilà, ça c'est un ensemble séparant. Je suppose rien sur l'ensemble S. D'accord? Alors, si je fais sigma 0, sigma x, et on va dire que tout ça, on va peut-être l'inclure dans VG, excusez-moi. Alors, sigma 0, sigma x est plus petit que la somme sur y dans S de sigma 0, sigma y, g bêta, sigma y, sigma x, g bêta. Alors, en fait, je ne sais pas... Pour les gens qui sont amateurs, ils ont eu un cours sur la percolation au premier semestre ou ce sera au deuxième? Oui, ils ont eu. Voilà, ceux qui l'ont suivi. Alors pour ceux qui l'ont suivi, juste une toute petite parenthèse. Imaginez qu'on essaie de montrer la même chose pour la percolation. On veut montrer la probabilité que 0 est relié à x est plus petit que la somme sur les y sur cette surface séparante de la probabilité de 0 relié à y fois la probabilité de y relié à x. Ça, on utiliserait quoi comme propriété pour montrer ça? On utiliserait l'inégalité BK. On dirait si 0 est relié à x, alors il existe un y sur le bord tel que 0 est relié à y de façon disjointe à y relié à x. Et ça permettrait exactement d'écrire cette inégalité. Donc ça, vous pouvez voir ça comme un équivalent, en quelque sorte, dans le modèle d'Ising, d'une application typique de la propriété BK. Et juste après, je n'aurai pas le temps de vous montrer la preuve parce que je veux surtout me concentrer sur ce qui arrive au point critique, mais pour démontrer la décroissance exponentielle dans le cas de d'Ising, en fait, on se sert de cette chose-là. Donc, si vous voulez, ça rappelle que les seuls modèles pour lesquels on s'est vraiment bien montré qu'il y a décroissance exponentielle, c'est les modèles pour lesquels on a quelque chose qui ressemble à l'inégalité BK, qui est présente dans toutes les preuves de décroissance exponentielle pour la percolation. Donc, pour le modèle d'Ising, en fait, sous-jacent, caché derrière ces choses-là, c'est le fait qu'il y a cette représentation en courant aléatoire qui a une propriété à la BK, en quelque sorte. Voilà, ça c'était juste une parenthèse pour ceux qui n'ont pas fait le cours sur la perco, ça n'avait absolument aucun sens ce que j'ai expliqué, mais c'est pas grave. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder sigma 0, sigma y, sigma x, divisé par sigma 0, sigma x. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Réexprimons tout en fonction de partition. C'est z de 0y, z de yx, divisé par z de 0x, z de l'ensemble vide. D'accord? J'ai simplifié par z de l'ensemble vide en bas et en haut. En fonction de partition. Ici, échangeons les sources. Faisons passer les sources de yx, enfin du deuxième courant, au premier. Du coup, je vais obtenir la somme. Le premier courant, puisqu'il avait des sources à 0y, il se retrouve avec la différence symétrique avec yx, il va avoir des sources à 0x. Le deuxième courant n'aura plus de sources. Mais par contre, je paye l'indicatrice de x relié à y. Et je divise par la somme n1 égale 0x et n2 égale l'ensemble vide. Voilà. Donc du coup, ça, si je le réécris en termes de probabilité, c'est quoi? C'est la probabilité, si mon premier courant a source à 0x, mon deuxième courant n'a pas de source. De nouveau, j'enlève toutes les dépendances qui sont évidentes. la probabilité que x est relié à y. D'accord? Donc vraiment sur un dessin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 0, j'ai x, et je suis en train de dire qu'il y a un chemin automatiquement entre 0 et x, puisqu'il y a des sources entre 0 et x, mais je suis en train de dire que ce chemin, il passe par le point y. C'est cette proba-là que j'estime. D'accord? Bon, mais l'ensemble S est séparant. Du coup, quand je fais la somme sur tous les y dans S, si je fais la somme sur tous les y dans S de cette quantité, j'obtiens quoi? J'obtiens l'espérance, c'est la somme sur les y, de cette chose-là. Donc j'obtiens l'espérance du nombre de points dans S qui sont reliés à x, excusez-moi. Et puisque c'est séparant et que j'ai un chemin entre 0 et x, j'ai au moins un point comme ça. Donc cette espérance, elle est bien entendu plus grande ou égale à 1. Donc ça, c'est automatiquement plus grand ou égal à 1, juste topologiquement. Mon ensemble S, donc quel que soit mon chemin de 0 à x, il va devoir passer quelque part. Voilà. Bon, donc ça c'était les petites applications, les premières applications du lemme de switching. Et vraiment, si vous essayez vous-même de montrer ces choses-là, c'est pas évident, hein. La preuve historique de cette inégalité, elle n'est pas facile, pas facile. Pas très dur, mais disons que ce n'est pas un exercice. Très clairement, on ne peut pas le donner en exercice, parce qu'à partir du lemme de switching, ça, c'est un exercice que j'aurais pu vous donner facilement. Oui. Une question, est-ce que, parce que tout à coup, on a vu repasser Zd, tout ça serait vrai pour n'importe quel graphe G? Oui, n'importe quel graphe. Voilà. Alors là, n'importe quel graphe, ça n'a même pas besoin d'être un réseau, n'importe quel graphe. On peut même, en fait, mettre des interactions à longue portée, tout se comporte très bien, il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, donc maintenant, un petit détour, ce sera juste un petit détour, mais vers le comportement en haute température. Donc, comportement pour bêta plus petit que bêta C. Alors, on m'avait demandé la semaine dernière si on pouvait calculer facilement, estimer facilement bêta C. Et donc, historiquement, pour la percolation, il y a une quantité qui avait été introduite pour ça. C'était la quantité suivante. Donc là, je vais l'écrire pour le modèle d'Ising. Donc, définissons phi tilde bêta d'un ensemble S comme étant la somme pour x appartenant à S de sigma 0, sigma x. Et là, alors, dans cette section, je vais tricher. Je vais considérer une mesure sur Zd directement. Alors, je ne vous ai pas dit comment on la définissait. Mais on peut définir la mesure sur Zd comme limite de mesure en volume fini. Je veux pas ça, je vais passer sous silence la difficulté pour définir ça. Donc définissons cette quantité-là. Lemme, si il existe un ensemble S tel que donc un ensemble S contenant 0 fini, tel que phi tilde bêta de S est strictement plus petit que 1, alors, dans ce cas-là, alors il existe une constante C positive telle que sigma 0, sigma x, donc Zd bêta, décroît exponentiellement vite en la distance. Donc en particulier, ça nous dit que si vous voulez estimer, la bêta, si vous voulez avoir une borne inférieure sur bêta, il vous suffit de trouver un ensemble S dont cette espèce de moyenne est strictement négative. Oh, peut-être, excusez-moi, je vais peut-être changer un tout petit peu la définition parce que ça c'est bien pour, ce sera plus simple pour après. Et puis c'est ici, on va plutôt mettre sur le bord de S. Mettons sur le bord de S. Voilà. Ce sera mieux. Ce sera mieux parce que ce sera juste déjà. Et ensuite, on pourrait l'écrire comme ça, mais ce ne serait pas. Alors, essayons de montrer ce lemme. Comment je pourrais essayer de faire ça? Prenons, donc on a 0 qui est ici. Prenons x là. Fixons peut-être, fixons n tel que S est inclus dans lambda n. D'accord? Donc je veux montrer que 0, enfin je veux avoir une borne sur la probabilité que 0 est relié à x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ce lemme-là. Je vais dire, bon, sigma 0, sigma x, c'est plus petit ou égal à, si j'écris comme ça, ça va être quoi? À phi p, enfin phi bêta tilde de S, fois le suprêmum pour y dans S de sigma 0, sigma x moins y. Alors là, j'ai triché à plusieurs endroits, hein. La première, c'est que je vous ai montré ça qu'en volume fini. Bon, en fait, ça s'étend en volume infini, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ensuite, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le phi... Là, ici, on voit bien apparaître le phi tilde bêta de S. Et là, j'ai juste dit, ici, j'ai utilisé l'invariance par translation de la mesure sur Zd. Comme pour la perco et les choses comme ça, vous vous doutez bien que si vous arrivez à définir une mesure comme ça, vous pouvez utiliser l'invariance par translation. Donc sigma y, sigma x, c'est comme sigma 0, sigma x moins y. Et je prends le suprêmum pour être certain de voir apparaître phi bêta, phi tilde bêta de S. Bon, mais maintenant, imaginez que j'ai pris le suprêmum. Imaginez que je prenne le suprêmum pour les x qui ne sont pas dans la boîte de taille K fois n. D'accord? Donc je prends le suprême sur tous les x qui sont en dehors d'une très grosse boîte K fois n, où K est un entier positif. Ici, je peux borner ça, x moins y, puisque y, forcément, est dans S, il est à distance au plus n du bord. Donc x moins y, il est encore en dehors de la boîte de taille K moins 1 fois n. Donc cette chose-là, ça va être plus petit ou égal à phi tilde bêta de S fois le suprêmum sur les x qui ne sont pas dans la boîte de taille k-1 fois n, de sigma 0, sigma x. Si j'itère cette relation, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais obtenir que tout ça, c'est plus petit que phi tilde bêta de S à la puissance k. Puisque phi tilde bêta de S est plus petit que 1, j'obtiens bien quelque chose qui décroît exponentiellement à la distance. D'ailleurs, on a même quelque chose d'un peu plus précis, on a même une certaine vitesse en quelque sorte explicite en fonction du rayon de l'ensemble S et de à quel point S est proche, enfin phi tilde bêta de S est proche de 1. D'accord? Ça, c'est probablement quelque chose que vous avez fait quand vous avez montré que... la décroissance exponentielle pour la percolation. Vous avez fait cette estimée, normalement. Alors, donc ça, c'est super parce que ça nous dit du coup automatiquement que s'il existe un bêta qui a ça, on a décroissance exponentielle, en particulier bêta est plus petit que bêta c, donc ça devrait nous donner, trouver un ensemble S tel qu'on a ça, devrait nous donner une bonne estimée. J'ai triché un tout petit peu là, en fait, qui est que si je vous donne juste ce critère-là, pour trouver une borne inférieure sur l'ensemble, c'est terrible parce que là, vous prenez une mesure en volume infini. Or, si vous voulez, dans un ordinateur, essayer de calculer ces corrélations-là, si c'est en volume infini, vous avez très peu d'estimés sur ça. Donc, en fait, cette relation, elle peut être améliorée. On peut regarder la quantité suivante. Donc, on peut également définir la quantité phi bêta de S, qui va être la chose suivante, ça va être la somme pour x dans S, pour y qui n'est pas dans S et x voisin de y. D'accord? De sigma 0, sigma y, sigma x, excusez-moi, free, mais dans S. Donc là, ça change tout. C'est-à-dire que là, vous regardez une mesure qui est sur un graphe fini. Et il y a une estimée en plus. Je ne me rappelle jamais si c'est tangente hyperbolique ou 1 moins exponentielle. Bon. Bien sûr, si c'était trop simple, je vais mettre tangente hyperbolique. Peu importe. Oubliez ça. Ce que vous avez gagné ici, c'est que maintenant, vous êtes dans un ensemble fini. Et en fait, il y a une... Donc ça, c'est une remarque. Si pour un ensemble S, cette chose-là est plus petite que 1, alors il y a des croissances exponentielles. Et là, maintenant, ça devient un vrai critère, entre guillemets, de taille finie. Si vous voulez regarder si bêta est critique, si vous prenez S comme étant la boîte de taille 10, vous pouvez, dans un ordinateur, calculer explicitement cette quantité parce que c'est vraiment une mesure d'Ising définie sur une boîte de taille 10. Et vous pouvez faire le calcul, vérifier si c'est plus petit que 1 et ça vous donne une borne inférieure. Ok, donc là, c'est si phi bêta de S strictement plus petit que 1, alors décroissance exponentielle. Donc voilà, ça, c'était juste une parenthèse pour dire qu'en fait, et les mêmes techniques permettent de faire ça, c'est juste, c'est plus compliqué, donc je voulais pas prouver ces choses-là. Mais on peut faire un peu mieux que cette quantité là-haut. Maintenant, vous voyez, il y a quelque chose, juste je vous donne une implication de ça, qui est moralement une implication de ça, mais pas tout à fait. Du coup, au point critique. Donc de A bêta C. Est-ce qu'il peut exister un S tel que phi bêta de S est strictement plus petit que 1? Non, parce que s'il existait un S comme ça, bah, pour ce S, pour un bêta un tout petit peu plus grand, ce serait toujours plus petit que 1, il y aurait des croissances exponentielles. C'est l'ensemble des bêtas tel qu'il existe S, tel que phi bêta de S, et là vraiment je mets phi est plus petit que 1, c'est un ensemble ouvert. Donc il ne peut pas contenir bêta C. Et vous comprenez bien que ici, enfin, c'est peut-être pas évident à première vue, mais on ne peut pas vraiment dire la même chose si on prend cette quantité-là. Pourquoi? Parce que cette mesure, c'est une mesure en volume infini. Pourquoi serait-elle continue en bêta? Il n'y a a priori aucune raison. Ce sera l'une des choses qu'on va montrer dans le prochain cours, probablement. Donc là, quand on est en volume infini, il y a un problème. Mais ça tombe bien, en fait, toutes les techniques, elles marchent aussi. Elles permettent d'avoir ce critère qui, là, est en volume fini. Là, il n'y a pas de problème, c'est continu. Donc c'est ouvert, donc en particulier, si je regarde phi bêta c de lambda n, de la boîte de taille n, c'est plus grand ou égal à 1 pour tout n. Mais du coup, ça me dit quoi ici? Si je prends lambda n, c'est le nombre de points qui est sur le bord de la boîte de taille n, la corrélation de spin entre sigma 0 et sigma x. Alors peut-être que je compte les points, vous voyez ça dit juste je compte les points avec multiplicité si je suis relié à plus de points. Oublions ça pour un moment. C'est en gros le nombre de points, enfin c'est à peu près la somme sur les gars qui sont sur le bord de la boîte de taille n des fonctions de corrélation. C'est plus grand ou égal à 1 en gros, ou à 1 sur tangente hyperbolique de bêta fois 2D, enfin, c'est plus grand qu'une constante. Sommez ça sur tout n. Ça vous donne que la somme pour x dans Zd de sigma 0, sigma x à bêta c vaut forcément plus l'infini. Alors cette quantité-là s'appelle la susceptibilité. Elle est forcément infinie au point critique. Donc en particulier, il n'y a pas décroissance exponentielle au point critique. Donc ça, ça dit pas de décroissance exponentielle au point critique. Donc ça, c'est vraiment une indication très forte, en particulier, qu'on devrait avoir une transition de phase continue. Mais c'est juste une indication à ce niveau-là. Mais voilà, donc ça, c'est juste à retenir. Il n'y a pas de décroissance exponentielle au point critique. Alors, continuons. Non, faisons une pause, tiens. On va faire une pause, ça fait 55 minutes. On va faire une pause de 10 minutes. Et juste après, je vais vous mentionner très rapidement le théorème sur la décroissance exponentielle et comment on peut le montrer. Et après, je vais passer à la dimension 4, essayer de commencer à manipuler les fonctions tronquées pour essayer de vous montrer que pour parvenir à vous montrer normalement que le champ, la théorie des champs associés est libre, triviale, excusez-moi. Voilà, on fait une pause, on reprend à 35, ça vous va? Très bien, donc il n'y a pas de décroissance exponentielle au point critique. Effectivement, on m'a fait la réflexion, qui est une très bonne réflexion, hein. On a même en fait une décroissance polynomiale. On sait que sigma 0, sigma x. Alors c'est vrai qu'en moyenne, mais en fait, il y a des moyens assez simples de montrer que c'est vrai pour chaque sommet. Donc effectivement, sigma 0, sigma x, bêta c au point critique décroît plus lentement que 1 sur x à la puissance d-1. Voilà. Vous verrez qu'on va avoir une borne supérieure un tout petit peu plus tard. Alors, donc le théorème que je veux juste vous mentionner est le suivant. Donc théorème, excusez-moi, théorème. Donc c'est un théorème qui a été démontré initialement par Eisenman, Barsky et Fernandez, et dont nous avons présenté une preuve alternative avec Vincent Tassion. Donc pour ceux qui veulent valider en fait ce cours, ce que je propose, c'est la preuve, elle fonctionne aussi pour la perco. Je ne pense pas que vous l'ayez faite en... Je ne sais pas si ça a été... Parce que c'est une nouvelle preuve, donc c'est peut-être pas celle-là que vous avez faite en cours. Donc ce que je propose, c'est ceux qui veulent valider, vous venez me voir et puis en gros, vous essayez de m'écrire quelque chose sur la preuve de la perco et son application à Ising. Voilà, ce sera la validation de ce truc. Donc, de quoi? Oui, alors bon, par contre, il n'y a pas d'avantage pour... je serais terrible avec tout le monde. Alors, soit D plus grand ou égal à 2, nous avons la chose suivante. Si bêta est plus petit que bêta C, alors... nous avons que la décroissance exponentielle, donc alors il existe C positif tel que les corrélations décroissent plus vite qu'exponentielle. Et si bêta est plus grand que bêta C, en fait, alors nous avons que la corrélation, la magnétisation spontanée, elle est plus grande que la racine de bêta carré moins bêta c carré sur bêta carré. Donc on a en plus une borne inférieure sur l'explosion de la magnétisation spontanée. Hein, donc on a quelque chose qui ressemble forcément au moins à quelque chose comme ça. Voilà. Alors je ne vais pas vous montrer ça parce que vraiment on a un temps limité. En fait, c'est des manipulations sur le random current et des choses comme ça. Et là, la chose importante entre guillemets, c'est la chose suivante, c'est de montrer, on peut montrer que pour tout bêta plus grand que bêta, on va l'appeler bêta c tilde, où bêta c tilde, c'est l'infimum des bêtas tel qu'il existe un S, c'est le suprêmum des bêtas, excusez-moi. Non, c'est l'infimum des bêtas tel que pour tout S contenant 0 est fini. On a phi bêta de S plus grand ou égal à 1. Donc on sait qu'on a des croissances exponentielles jusqu'à ce bêta C tilde, par définition. On ne sait pas si on l'a après ou non, mais définissons ce bêta C tilde. Pour tout bêta plus grand que ce bêta C tilde, ce que l'on peut montrer, c'est qu'en fait la dérivée de sigma 0 plus bêta au carré est plus grande ou égale à 1 moins sigma 0 plus bêta au carré. Et il y a juste une petite constante devant qui est 2 sur bêta. Et donc, voilà. Alors ça, c'est quelque chose d'assez typique quand on essaye de montrer la décroissance exponentielle de quelque chose, c'est d'essayer d'avoir des dérivés sur les quantités thermodynamiques de son modèle. Donc là, par exemple, la magnétisation. Je vais vous dire un tout petit peu d'où elle vient, cette inégalité. Mais juste avant ça, essayons juste de voir comment elle implique le théorème. Comment je vais faire? Ben, j'intègre juste ça. Si je prends un bêta plus grand que bêta c tilde et que j'intègre cette équation, je vais exactement obtenir une borne comme celle-ci avec bêta c tilde au lieu de bêta c. C'est juste un tout petit calcul, hein, c'est dérivé de f' plus grand que 2 sur bêta 1 moins f. Donc ça s'intègre très facilement. Vous allez obtenir, donc ça entre parenthèses, ça implique que pour tout bêta plus grand que bêta c tilde, on a sigma 0 plus bêta, puis je vais vraiment l'écrire au carré, pour qui est plus grand que bêta carré moins bêta c carré sur bêta carré. Et là, c'est un bêta c tilde. Mais du coup, c'est strictement positif dès que bêta est strictement plus grand que bêta c tilde. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Bêta C tilde, il était de façon évidente plus petit ou égal à bêta C, puisque en dessous, on a des croissances exponentielles. Mais ça, ça nous dit que bêta C tilde, il est aussi plus grand ou égal à bêta C, forcément. Puisque au-dessus, j'ai tout de suite une magnétisation spontanée strictement positive. D'accord? Donc ça nous dit que bêta C est égal à bêta C tilde, et qu'on a bien cette borne inférieure sur le carré. D'accord? Donc ça, c'est l'idée de la preuve. Surprenamment, cette inégalité différentielle n'avait pas été utilisée auparavant. C'est en quelque sorte la plus simple qu'on puisse imaginer, en fait. Mais on peut la montrer. Donc pour ceux qui ont fait de la percolation, on peut faire la même chose avec la probabilité que 0 est relié à l'infini. La dérivée de la probabilité de 0 reliée à l'infini, là, il n'y a pas de carré dans ce cas-là, est plus grand que 1 sur bêta, ou bon, si on fait de la percolation longue portée, enfin une certaine constante, fois 1 moins la probabilité d'être relié à l'infini. Et dans le cas de la percolation, en fait, cette chose-là avait une interprétation en termes des phi bêta de S. Donc laissez-moi vous donner juste... Là, je résume parce que ce n'est pas tout à fait juste, mais... Pourquoi on a cette inégalité? C'est qu'en fait, on peut écrire, en gros, hein, que la dérivée de sigma 0 plus... On va se restreindre sur un graphe G parce que, en fait, si vous réfléchissez, la dérivée, on ne sait pas du tout que la magnétisation est dérivable. À vrai dire, elle ne l'est pas. D'accord? Donc, restreignons-nous à un volume fini. Et mettons le carré. Cette chose-là, en fait, on peut montrer qu'elle est plus grande ou égale à la chose suivante. Vous allez prendre l'espérance de deux courants sans source, indépendants, d'accord? Donc deux courants sans source indépendants. et vous allez écrire phi bêta de S, où S, c'est quoi? S, c'est l'ensemble des X appartenant à G, donc à VG, tel que X n'est pas relié au petit g dans N1 plus N2. Et il y a juste une condition en plus ici, c'est de rajouter indicatrice de 0 appartient à S. Alors ça, cette égalité, elle n'est pas du tout facile à obtenir. Enfin, cette inégalité, elle n'est pas du tout facile à obtenir. Dans le cas de la percolation, c'est 5 lignes, utilisant la probabilité d'être pivot, etc. Donc, vous pouvez aller voir le papier pour ceux qui ont envie, qui sont curieux. Dans le cas de modèle d'Ising, il faut manipuler un peu plus, mais on obtient exactement une quantité du même type. Donc, en gros, on peut exprimer, on a une borne inférieure sur la dérivée de la magnétisation spontanée en fonction d'une certaine moyenne de phi bêta de S. Ça, c'est vrai à n'importe quelle température bêta. Mais maintenant, vous comprenez bien, si je suis pour bêta plus grand que bêta C tilde, je sais que cette quantité-là est plus grande ou égale à 1 si bêta est plus grand ou égal à bêta C tilde. Donc, du coup, tout ça, il y a une constante ici, c'est bêta qui est en gros 2. C'est là où je triche un peu, c'est que ce n'est pas 2 sur bêta. C'est quelque chose d'un tout petit peu différent, mais résumons comme ça. Donc en gros, si j'utilise cette inégalité, j'obtiens en gros une constante fois la probabilité de 0 appartient à S. C'est-à-dire 0 n'est pas relié à G dans cette somme de deux courants. Mais ça, on a vu que c'était quoi ? Ça, c'est exactement la probabilité d'être lié à G, c'est le carré de la magnétisation. Donc la probabilité de ne pas être lié, c'est 1 moins le carré. Et donc, on voit bien apparaître cette quantité ici. Voilà. Voilà, je ne vous dis pas grand-chose, hein, parce que je ne vous dis pas comment on obtient cette chose-là. Mais bon, c'est un petit peu... si c'était un cours sur la perco, je le ferais volontiers. Là, sur Ising, c'est un peu plus complexe. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la même preuve fonctionne pour la perco. Voilà. Donc ça, c'était juste un petit détour pour vous dire ce qui se passe. Donc, comment obtenir la décroissance exponentielle et comment obtenir la borne, ce qu'on appelle la mean field lower bound. Donc, ce racine de bêta moins bêta c. Maintenant, on passe à la dimension 4 et plus. Enfin, 5 et plus. Donc, je vous ai dit, notre but, là, c'était d'essayer d'obtenir une version faible, enfin, quelque chose qui tendait vers le résultat de Jörg et le résultat de Michael, qui est de montrer la trivialité du champ dans ce cas-là. Donc là, je vais pas montrer le résultat le plus fort possible. Au contraire, je vais aller à l'essentiel. Je vais essayer de vous montrer celui qui est le plus simple, mais qui vraiment... montre ça pour qu'on ait le temps après de descendre en dimension, de faire la dimension 3, puis la dimension 2 et essayer de montrer des choses là-dessus. Donc là, Ising en dimension D plus grand ou égal à 5. En dimension 4, il y a des difficultés supplémentaires, donc je vais omettre ça. Donc, une des choses qui nous intéresse, c'est de comprendre à quel point... Quand je regarde le champ associé, donc on va se concentrer sur, en gros, bêta égale bêta critique, j'aimerais pouvoir regarder donc, un champ qui est défini par juste les spins à chaque sommet. D'accord? Donc ça me donne une fonction de Zd dans 0,1, enfin dans -1,1. Et puis si je prends, comme on avait expliqué la semaine dernière, la limite d'échelle, donc si je regarde de plus en plus loin, j'obtiens, entre guillemets, j'ai envie de dire qu'au point critique, j'aurai à la limite un genre de champ de RD dans -1,1. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est les corrélations de ce champ. Donc j'aimerais prendre les corrélations entre 4 spins et essayer de voir comment je peux les exprimer. Et en particulier, essayer de voir si j'obtiens une propriété qui est spécifique des champs gaussiens, du Gaussian Free Field, qui est, est-ce que le produit des 4 spins, donc la corrélation de 4 spins, est-ce que je peux l'exprimer en fonction de produits de corrélation de deux spins, ce qu'on appelle la formule de Vick. Est-ce que la corrélation de 4 spins, c'est égal à la somme sur les façons de faire des pairings, des paires de sommets, du produit des spin-spin. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais introduire U4. Et donc U4 de bêta, mais de nouveau, le bêta, je vais en général l'enlever. Ici, pour simplifier, je vais les sommets, je vais les appeler 1, 2, 3, 4. D'accord? Parce que vous allez voir, les notations vont commencer à grossir un petit peu trop rapidement. Donc je vais l'appeler 1, 2, 3, 4. Donc ça va être quoi? Ça va être la corrélation sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4. Et j'aimerais voir à quel point elle est proche. Donc de nouveau, là de nouveau, je vais me mettre dans Zd, je vais me mettre à bêta, etc. J'aimerais savoir à quel point elle est proche du produit sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, moins sigma 1, sigma 3, sigma 2, sigma 4, moins sigma 1, sigma 4, sigma 2, sigma 3. Donc ce serait il y aurait des corrélations gaussiennes sur ça, ce serait égal exactement à 0. Là, ce n'est pas égal à 0, mais j'aimerais savoir à quel point c'en est loin. Donc première chose, c'est qu'on va essayer d'exprimer cette quantité en fonction du courant aléatoire, voir ce qu'on obtient. Alors, allons-y gaiement. Proposition. U4, 1, 2, 3, 4, c'est égal, et on ne va pas écrire tout de suite ce que c'est. On va essayer de deviner en faisant la preuve. Donc, comme tout à l'heure, on a une fonction tronquée, donc on va essayer de tout exprimer en fonction de partition. Donc, U4, 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est Z de 1, 2, 3, 4. Z de l'ensemble vide, parce que je vais renormaliser par Z de l'ensemble vide, donc par la fonction de partition au carré, parce que c'est ce qui apparaît dans les autres choses. J'obtiens moins Z de 1, 2, Z de 3, 4, moins, etc. Je vous laisse remplir ici. Je pense qu'on est... Ou alors je remplis et puis vous n'êtes pas obligé d'écrire parce qu'il faut que je fasse gaffe à aller plus lentement. Donc on a cette chose-là. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je joue à mon jeu habituel. Je fais passer toutes les sources d'un côté. Donc je vais faire passer toutes les sources sur le premier courant. Donc j'obtiens toujours 1 sur Z de l'ensemble vide au carré. Et là, je vais obtenir somme. Sur le premier courant, il va avoir les sources à 1, 2, 3, 4. Le deuxième n'aura plus de sources, du coup. Je vais avoir W de N1, W de N2. Et là, j'obtiens quoi? Bah ici, j'obtiens 1. Ici, j'ai fait passer 3, 4 de l'autre côté, donc j'obtiens 3 reliés à 4. Ici, 2 reliés à 4. Et ici, 2 reliés à 3. Vous êtes d'accord? Alors, il y a une façon beaucoup plus jolie d'écrire ça, en fait. Vous remarquerez que si 3 est relié à 4, mais que 2 et 1 ne sont pas reliés à 4, alors cette chose-là vaut 0. Même chose pour toutes les permutations de cette chose. Et à l'inverse, si 1, 2, 3, 4 sont tous reliés entre eux... Alors notez, hein, il y a 1, 2, 3, 4, donc soit il y a des sources, donc soit tout le monde est relié ensemble, soit il y a un pairing entre les sources et ils ne sont pas reliés ensemble. D'accord? Donc soit il y a deux paires qui sont reliées et elles ne sont pas reliées ensemble, soit tout le monde est relié ensemble. S'il y a deux paires qui sont reliées mais pas ensemble, il y a une de ces trois indicatrices qui vaut 1, les deux autres valent 0. Donc j'obtiens exactement 0 ici. Et à l'inverse, si tout le monde est relié ensemble, les trois valent 1, donc je vais obtenir moins 2. Donc cette chose-là, en fait, c'est exactement moins 2 fois l'indicatrice que 1, 2, 3 et 4 sont reliés ensemble. Alors, ça, c'est plutôt pratique. Ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va essayer, maintenant qu'on a cette interprétation-là, essayons juste de faire repasser 3, 4 dans les sources ici, pour essayer d'exprimer ça en fonction, vous allez voir, des corrélations de spin. Donc si je fais repasser 3, 4 ici, l'indicatrice que 1, 2, 3 et 4 sont reliés ensemble, je vous rappelle que ça, c'est une fonction de la somme des deux courants. C'est un f. Donc je vais garder cette chose-là quand je rebouge. Et j'ai bien le droit de faire passer 3, 4 ici parce que 3 et 4 sont reliés ensemble dans cette chose-là. Donc ça ici, n'hésitez pas à me dire si là je suis allé trop vite, mais ça c'est égal à 1 sur z de l'ensemble vide au carré. Et ici c'est la même chose que somme sur n1, enfin donc il y a un moins 2, somme sur n1 égale 1, 2 et n2 égale 3, 4, w blabla, w blabla. Indicatrice de 1, 2, 3 et 4 reliés ensemble. Voilà, donc ça c'était ma fonction f, et puis j'ai juste utilisé que cette fonction f, en fait, de toute façon, elle ne vaut 0 que quand 3 et 4 sont reliés entre eux, donc je peux rajouter indicatrice de 3 et 4 reliés entre eux ici et faire le switching méma. L'avantage de l'écrire comme ça, c'est que je peux multiplier par z de 1, 2, z de 3, 4 et divisé par z de 1, 2, z de 3, 4. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce que j'ai envie de faire apparaître une probabilité ici. Du coup, tout ça, après avoir beaucoup bougé les mains, ça nous fait quoi? Ça nous donne moins 2. Z de 1, 2 sur z de l'ensemble vide, c'est sigma 1, sigma 2. Z de 3, 4 sur z de l'ensemble vide, c'est sigma 3, sigma 4. Et ici, j'obtiens la probabilité 1, 2 fois la probabilité 3, 4 de 1, 2, 3 et 4 reliés ensemble. Donc de nouveau, je suis arrivé à exprimer la fonction, une genre de fonction tronquée en termes d'une probabilité exprimée en fonction des courants aléatoires. Donc ça, c'est également possible de le faire avec la représentation que Jörg avait introduite. Donc là, c'est vraiment là où la magie, en quelque sorte, intervient. C'est dans la façon, le fait qu'on puisse exprimer ces fonctions tronquées en fonction de quantités naturelles de ces représentations géométriques. Est-ce que ça va, cette expression, ou pas? Alors maintenant, parlons juste de l'intuition avant d'essayer de faire vraiment une preuve rigoureuse de la chose. Ce qu'on a envie de dire maintenant, c'est qu'en dimension 4 et plus, en dimension 5 et plus, là, ici, j'ai quoi? J'ai 4 points, 1, 2, 3 et 4. Et je suis en train de dire, je prends un courant aléatoire avec des sources à 1 et 2, et un courant aléatoire avec des sources à 3 et 4. Donc s'il y a s'il y a une source entre 1 et une source à 2, ça dit qu'il doit y avoir forcément un chemin entre 1 et 2. De même, il y a forcément un chemin entre 3 et 4. Et la question, en quelque sorte, c'est est-ce que si je prends ce chemin plus les boucles, comme ça, est-ce que j'arrive à connecter les deux? Pensez à ce chemin comme étant, en quelque sorte, une marche aléatoire entre 1 et 2. Si cette espèce d'ensemble de boucles là ressemble à une marche aléatoire, si je prends deux marches aléatoires dans des positions génériques dans une boîte de taille n en dimension 5 et plus, si je prends deux points, une marche aléatoire entre deux points, une marche aléatoire entre ces deux points, elles vont pas s'intersecter asymptotiquement en dimension 5 et plus. En dimension 4 non plus, mais c'est beaucoup plus dur à montrer. En dimension inférieure, là, elles s'intersectent typiquement. Mais en grande dimension, elles ne s'intersectent pas. Du coup, ce terme-là, ce n'est pas totalement absurde d'imaginer qu'il va tendre vers 0 si je prends 1, 2, 3, 4 qui sont de plus en plus loin l'un de l'autre. Et c'est effectivement ce qu'on va montrer. Du coup, on va montrer que asymptotiquement, ce n'est pas vrai au niveau discret, parce que ce n'est pas exactement un GFF, mais asymptotiquement, on a effectivement que cette chose-là, quand elle est renormalisée par, on va dire, une valeur typique qui serait le produit de deux spins, ça tend vers 0. C'est ça qu'on va montrer. D'accord? Alors, c'est l'intuition, elle est très jolie. Après, la traduction en... La preuve, vous allez voir, est un tout petit peu plus pénible. Je pense qu'on va avoir le temps de la finir aujourd'hui. Mais elle va être... On va très clairement avoir le temps de la finir aujourd'hui. Mais elle est un tout petit peu plus technique. Parce que bien entendu, c'est bien joli de dire que c'est comparé, que ces chemins ressemblent à des marches aléatoires, encore faut-il le montrer. Parce qu'a priori, il n'y a absolument aucune raison que ce soit le cas. Alors, peut-être avant de commencer la preuve, je devrais vous mentionner un résultat qui va être extrêmement important pour nous, qui va être peut-être que je ne sais pas montrer que ça ressemble à des marches aléatoires, mais je sais montrer la chose suivante. Le théorème, ce qu'on appelle l'infrared band. Bon, je le garde en anglais. Et qui dit la chose suivante. Elle dit que, j'oublie toujours la constante, du coup je vais botter en touche astucieusement, en disant, donc il existe une constante C telle que, et je vais aussi botter en touche dans le sens que je vais juste regarder, je n'ai pas envie de vous compliquer la vie, je vais juste regarder pour bêta plus petit que bêta C. Si je regarde la corrélation de spin entre deux points, condition free, c'est plus petit ou égal, c'est 2 sur bêta peut-être, hein, en fait je crois que peut-être pas... Bon, je ne veux pas écrire quelque chose de faux, donc on va mettre c sur bêta, et je crois que c'est 2, fois la fonction de Green entre 0 et x. Donc où là, ça... où g de 0x, c'est la fonction de Green de la marche aléatoire simple sur Zd. Donc c'est juste l'espérance du nombre de visites en x pour une marche aléatoire simple partant de 0. D'accord? Alors, ce résultat, on peut le montrer, mais c'est pas, je ne vais pas le faire dans ce cours. Mais ça utilise la notion de reflection positivity. Qui a été introduite dans ce contexte par Jörg, Simon Spencer. Je pense que c'est une bonne... Et donc vraiment une technique très très forte. Et pour ceux qui sont intéressés, pour les étudiants qui sont intéressés, vous pouvez venir me voir, je peux vous en parler. Alors aujourd'hui, je dois partir relativement vite, mais la semaine prochaine, si vous voulez, je peux vous parler un peu plus de ça, mais je vais le faire en marge du cours. D'accord? Donc il y a une espèce, c'est magique, on peut comparer la fonction, les corrélations du modèle d'Ising en fonction des corrélations du GFF. Alors, il faut voir que le GFF, c'est aussi un modèle de spin, exactement comme le modèle d'Ising. Donc, en quelque sorte, on est en train de comparer les corrélations d'un modèle de spin en fonction d'un autre modèle de spin. C'est un peu moins surprenant quand on le voit de cette forme-là. Et en plus, il y a un modèle de spin qui s'appelle le Phi4D, le modèle de Phi4 sur le réseau, qui interpole entre les deux. Et en fait, le GFF est d'un côté de ce modèle et le Ising est exactement à l'autre extrémité. Donc, en quelque sorte, ce n'est pas du tout comme ça qu'on montre, mais bon, on peut s'imaginer qu'en fait, les corrélations sont plus ou moins monotones en suivant cette chose-là. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on le montre et on ne sait pas du tout le montrer comme ça. Donc, magnifique technique. Vous allez voir qu'on va le réutiliser en dimension 3 également. C'est la chose qu'on n'a pas pour percolation, si vous voulez. C'est vraiment la technique qu'on a dans ce cas-là. Et on va voir comment on utilise ça maintenant. Alors, donc en particulier, hein, là, je vous rappelle juste Donc ça nous donne une constante sur la distance à la puissance d-2. Voilà. Alors, allons-y gaiement, parce que là, c'est là que ça se complique pour moi. Hop. Proposition. Donc, proposition. Moins U4 de 0, enfin de 0, 1, 2, 3, 4. Ça va être plus petit ou égal à 2 fois la somme sur les Y de sigma 1, sigma Y, sigma 2, sigma Y, sigma 3, sigma Y, sigma 4, sigma Y. Donc on a une bande comme ça. Alors vous remarquerez que la formule de U4 vous dit que c'est positif, enfin c'est toujours négatif, donc ici on a un 0 plus petit ou égal. Mais j'ai aussi une bande supérieure sur moins U4. Et vous voyez là ça commence à sentir bon parce que ici on n'a que des corrélations à 2 points qu'on va pouvoir borner par la fonction de Green juste après. Donc ce sera l'étape d'après, ce sera exactement de wrap everything together pour essayer de montrer que ce U4 converge. Alors, allons-y, allons-y. Donc là, la preuve, en toute honnêteté, je ne la trouve pas très éclairante, mais elle n'est pas si longue que ça, donc ça va aller. Donc on va souffrir ensemble un tout petit peu. Donc l'idée, c'est d'essayer, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je borne la probabilité de 1, 2, 3, 4 reliés ensemble. D'accord? Ça, c'est mon but. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, en quelque sorte, j'ai un petit problème quand je regarde cette quantité-là. Donc, 1, 2, 3, 4 reliés. J'ai un problème, j'aimerais ajouter un petit peu plus d'indépendance, en quelque sorte, dans ma quantité. Donc, ce que je vais faire, j'ai mal écrit, hop là, laissez un tout petit peu d'espace, hop là. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un troisième courant, mais là, je dis toujours relié dans N1 plus N2, comme ça. Donc, si je rajoute un troisième courant et que je lui demande rien du tout à ce courant, c'est une égalité, hein, j'ai rien changé. Mais maintenant, l'idée, c'est que ici, quand j'ai les sources à 1, 2 et 3, 4, ce 1, 2, 3, 4 relié dans N1 plus N2, c'est exactement la même chose que de dire 3 appartient au cluster C dans N1 plus N2 de 1. Vous êtes d'accord? Ça, c'est juste une notation. C'est exactement équivalent parce que je sais que 1 et 2 sont reliés ensemble, je sais que 3 et 4 sont reliés ensemble. Donc, bien entendu, ils sont tous reliés si et seulement si 3 est relié à 1. Et là, ce que je vais changer, c'est que je vais essayer de montrer que cette chose-là est plus petite ou égale à la même probabilité. Mais cette fois, je vais regarder la probabilité que le cluster de N1 plus N2 de 1 a une intersection non vide avec le cluster pour N3 de 2. Excusez-moi, non, pour N1 plus N2, c'est en ça que c'est un tout petit peu... voilà. En plus, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas pris les mêmes numérotations dans le cours, donc je pense qu'il n'y a absolument aucune chance que j'arrive à le faire correctement, c'est pas grave. Donc là, je fais quelque chose de vraiment bizarre. C'est que ici, vous pouvez voir comme j'ai un cluster, donc j'ai N1, enfin j'ai 1, 2 et disons 3 et 4. Là, j'ai, je vais utiliser 3 couleurs, bleu, blanc, rouge, c'est parfait. Donc rappelez-vous, j'ai des sources en 1 et 2, j'ai des sources en 3 et 4. Et je regarde si 3 est relié à N1 plus N2 dans la somme des deux. Donc, en particulier, il pourrait y avoir... j'ai le droit de faire des choses comme ça. Hein. Vous êtes d'accord? J'ai le droit d'utiliser les deux. Puis, j'ai N3 qui se balade comme ça. Je vais mettre du blanc ici et un rouge là. Donc, disons que N3, il fait des choses comme ça. Et donc, ce que je prétends là, c'est que cette probabilité d'avoir 3 dans ce cluster blanc et bleu est en fait plus petite que la probabilité que le cluster de N1 plus N3 dans 1, donc ça, je prends le blanc et le rouge, intersecte le cluster bleu de, sauf que ce n'est pas 2, du coup ça doit être 3, j'imagine. Excusez-moi. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi cette inégalité va être vraie. Enfin, je vais vous dire pourquoi, mais intuitivement, ce n'est pas du tout évident pourquoi il faut faire ça de mon point de vue. On a envie de faire passer, en quelque sorte, les boucles rouges qui servaient à rien. On a envie de les mettre sur le premier et voir qu'en fait, ça ne nous aide pas tant que ça. Que ça nous aide beaucoup, excusez-moi, au contraire. Voilà, alors ça, on va le montrer, mais ce n'est pas très, très intuitif. Mais peut-être avant de le montrer, regardons ce que ça implique. Alors, je peux effacer ça. Ouais, j'ai effacé ça. Alors, l'avantage de faire ça, c'est qu'on peut aller encore plus loin dans la folie. Donc ça, ça va être notre inégalité miraculeuse. Continuons et rajoutons ce qu'on est en bonne voie. Rajoutons un autre courant, un quatrième. Hein, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et donc j'aimerais que le courant, la somme des courants de N1 intersecte, et puis là je vais mettre le cluster de N2, mais je rajoute N4 aussi. Donc je rajoute des boucles, c'est encore plus grand, super, et je regarde si ça s'intersecte. Alors pourquoi là c'est clairement mieux? Donc qu'est-ce qui était bien là, hein, entre nous soit dit, c'est que ça et ça c'est indépendant. C'est ça qu'on a gagné en faisant cet échange. Alors là maintenant c'est encore mieux parce que ça et ça c'est toujours indépendant, mais en plus c'est la même loi en gros. Enfin, c'est un terme qui est un peu de la même forme. Et là on va faire quelque chose d'horrible, c'est qu'on va dire la probabilité d'intersecter c'est plus petit que l'espérance du nombre de points dans l'intersection. A priori, c'est horrible, mais rappelez-vous que de toute façon, on s'attend à ce que typiquement, ils ne s'intersectent pas. Donc, ce n'est pas bien grave de faire ça. Donc, on va faire, c'est plus petit que la somme sur y dans Zd de, alors ça, on va peut-être l'appeler p, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Ou quoique. Bon. Cette chose-là. Et là, je vais dire y appartient. Et y appartient à l'autre aussi. D'accord? Mais maintenant, notez, les choses sont indépendantes, donc c'est le produit de la probabilité que y appartient à ça fois le produit de la probabilité que y appartient à ça. Et notez ici que ici j'ai des sources entre 1 et 2. Donc j'ai une source entre 1 et 2, et je regarde est-ce que y appartient au 2. Mais ça, c'est une quantité qu'on a rencontrée juste avant. C'était quoi? Voilà, maintenant c'est un y. C'était exactement sigma 1, sigma y, sigma y, sigma 2 sur sigma 1, sigma 2. C'était exactement cette quantité-là qu'on avait déjà rencontrée. Ça, c'est pour celle-là. Pour celui-là, j'obtiens le même terme. Donc, j'obtiens sigma 3, sigma y, sigma y, sigma 4 sur sigma 3, sigma 4. Bon. Mais je vous rappelle que c'était sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4 fois ma proba. Donc quand je fais sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4 fois ça, j'obtiens exactement la grosse somme là-bas. D'accord? Donc en quelque sorte, on balance tout le monde, on balance tout ce qu'on a, on rajoute un N2, on fait un échange, on rajoute un N3, excusez-moi, un N4, mais on arrive toujours à une bonne borne. D'accord? Et ce qu'on veut, c'est ajouter de l'indépendance. Moralement, probablement, on pourrait directement faire le calcul là, mais ce serait beaucoup plus compliqué parce qu'on n'aurait pas d'indépendance. On aimerait intuitivement juste remplacer par l'espérance directement, ici, la somme sur les y. Le problème, c'est qu'après calculer ça, ce serait plus compliqué. Alors, il me reste à vous convaincre de cette inégalité. D'accord? Donc voilà, et ça, donc, c'est ce qui conclut. Donc, du coup, là maintenant, on veut chercher donc, le rapport entre les deux. Donc, il y a une fonction de partition dans les deux cas. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, la somme, donc je veux montrer que la somme sur d rond n1 égale 1, 2, d rond n2 égale 3, 4, et d rond n3 égale l'ensemble vide, dw fois l'indicatrice, et là ce que je vais prendre c'est l'indicatrice de 3 n'appartient pas à C de N1 plus N2, de 1, et j'ai envie de montrer que ça c'est plus grand ou égal à la même somme, et cette fois N2, je vais dire que c'est, je vais écrire ça comme ça, pour mettre en valeur un genre de switching lemma qu'on va faire. Et donc, si j'ai échangé N2 et N3 là, ça nous donne C. Donc, ça nous donne toujours les produits des trois. Et donc là, j'ai échangé la notation N1 et N2. Donc, je veux que le cluster de N1 plus N2 n'intersecte pas le cluster de 3 dans N3. Vous êtes d'accord? C'est exactement, j'ai fait l'inverse. Hein, j'ai pris les complémentaires ici, puisque c'est des probas, ça m'ira très bien. Et là, ce que j'ai juste fait, c'est que j'ai échangé N2 et N3. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. D'accord? Pas très. J'ai quand même envie de vous donner la preuve complète, parce que ce serait dommage, il y a 4 lignes, elles ne sont pas très transparentes pour moi. Je suis sûr que pour Michael, elles le sont beaucoup plus. Mais c'est vrai que moi... Excuse-moi. Tu as une inégalité, on a perdu quelque chose là? Ah, là, c'est ce que je veux montrer, c'est une reformulation. C'est une reformulation de ça. Donc, mon but, c'est de montrer ça. Ouais, voilà. Alors, et donc maintenant, regardons ces sommes et essayons vraiment de voir que c'est juste cette inégalité. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer... C'est un peu la catastrophe. Donc on va sommer. Donc je regarde le terme de gauche. Donc c'est la somme. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sommer sur N1. Donc je vais avoir W de N1. Parce que N1, c'est le même en haut et en bas, en quelque sorte, les mêmes sources. Et par contre, je vais sommer sur M, qui va avoir source 3, 4, et M, dans ma tête, c'est N2 plus N3. D'accord? Et je vais même rajouter un C. Donc, je vais sommer sur ces choses-là. Et l'indicatrice, ça va être que le cluster dans M de 1 égale C. D'accord? Donc, je suis juste en train de décomposer cette somme. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc j'ai la somme sur les N2 qui sont plus petits que M. Je vérifie que je ne vous dis pas de bêtises. Ouais. Les sources de N2, c'est quoi? C'est 3 et 4 dans le premier cas. Et là, j'obtiens quoi? J'obtiens juste, N2 parmi M. Vous pouvez vérifier. Si c'est juste une réécriture, donc j'ai fait, vous voyez, ça c'est la même manipulation que dans le switching lemma, exactement la même. Et j'ai juste rajouté cette chose-là. Voilà. Si je regarde le même terme à droite, donc là il faut me faire un peu confiance parce que c'est vrai que si on passe, voilà, mais voilà, c'est comme ça. Mais ça vous le faites sans aucun problème. Hein. Donc si je refais la même chose pour le terme de droite, je vais avoir la même somme là. Le M, il a les mêmes sources quand je fais la somme des deux. C'est juste que maintenant, ce que j'obtiens, et excusez-moi, il y a quand même une indicatrice de 3 n'appartient pas à la somme de N1 plus N2 de 1. Ce serait trop beau s'il n'y avait pas ça. Voilà. Qui est d'ailleurs juste, qui est C en fait. Et là, quand je fais la même somme, j'obtiens N2 plus petit que M, cette fois les source de N2, c'est l'ensemble vide. J'ai de nouveau un N2 parmi M. Mais maintenant, l'indicatrice ici, c'est l'indicatrice de 3 n'est pas reliée à C dans N3. Donc N3, c'est quoi? C'est M moins N2. Pas facile, hein? On y est. Ne vous inquiétez pas, on y est. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me suffit de faire? Il me suffirait de voir que ce terme-là est plus petit que ce terme-là. D'accord? Ce serait suffisant pour moi de faire ça. Alors là, je suis en train de compter si je reprends l'interprétation en termes de sous-graphe. Franchement, c'est plus pour vous avoir fait la preuve. C'est pas... Mais... si je regarde en termes de sous-graphe de petit m, enfin de m ronde, excusez-moi. Ici, je compte les sous-graphes de m ronde, d'accord, tels que dans les sous-graphes n, sous-graphe de m ronde, avec source, aucune source dans n, et dans m privé de n, 3 n'est pas relié à c. À l'ensemble de sommet C. C'est ça que je compte ici. Okay. Ici, je compte l'ensemble des N tel que l'ensemble des sources, c'est 3, 4 et 3 n'appartient pas à C. Donc le 3 n'appartient pas à C, en fait d'ailleurs j'aurais pu mettre l'indicatrice en dehors. Si 3 appartient à C, cette chose-là vaut 0. Mais ici, 3 est forcément relié à C également. Donc il n'y a pas, c'est juste un sommet. Donc si 3 maintenant n'appartient pas effectivement à C, ce qu'il faut que je vois, c'est qu'il y ait moins de gens ici que là. Mais en fait, si vous regardez, si j'ai un N qui vérifie ça, enfin si... on est dans cette condition, excusez-moi. Il existe un K qui est inclus dans M, tel que les sources de K, c'est 3, 4, et K n'intersecte pas C. C'est pas... vous pouvez vérifier, dans, il existe un K comme ça. Et du coup, pour passer de là à là, qu'est-ce que je fais? Je prends juste... N, différence symétrique avec K. Alors, il n'est pas du tout, c'est pas une bijection cette fois. Parce qu'il y a des éléments ici où vous ne pouvez pas trouver de K comme ça, ou en tout cas où ce K-là ne va pas fonctionner. Mais c'est une injection. Pour n'importe quel graphe sans source ici, vous allez trouver, donc je vous rappelle M, hein, les sources de M, c'est 3, 4. Donc j'ai 3 et 4 qui sont comme ça. J'ai C qui est là. Et donc, ce que je prétends, c'est qu'ici, il y a forcément un graphe K qui va correspondre à un chemin de 3 à 4 qui ne relie pas C. Parce que c'est cette chose-là qui me dit, cette indicatrice, elle me dit exactement, elle me donne l'existence de ce graphe K. Bon, voilà. Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord. Oui. Géométriquement, si on revient sur la figure, c'est peut-être n'importe quoi, mais je tente quand même, sur la figure que tu as faite là-bas, donc la première proba, c'est 1, 2, 3, 4 reliés, donc on prend le blanc, on prend le bleu, et on peut passer du blanc au bleu, mais ce qui pourrait se passer, si j'essaie de comprendre, c'est ce qui pourrait se passer, c'est que dans le cluster de 1, 2, ouais. Dans le bleu, il y a un cluster 3, 4, dans le blanc, il y a un cluster 1, 2, mais il y a des petites boucles en plus. Là, je me sens exactement comme vous quand c'est moi qui vous parle. Alors 3, 4, attends... Oui. Non, 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 mais... Donc dans le 1-2, c'est le truc blanc. Ouais. Le 3-4, c'est le truc bleu. Mais il y a, en plus, dans le truc bleu, il y a des petites boucles qui se trimballent. Il n'y a pas que le cluster. Exactement. D'ailleurs, ça, c'était... Oui, mon but, c'était de faire un dessin plutôt comme ça. Voilà. Le 3-4 relié dans N1 plus N2, ce qui se passe, c'est qu'on peut passer du gros cluster 3-4, par exemple, sur une petite boucle blanche, puis sur une petite boucle bleue, puis sur une petite boucle blanche, pour arriver dans le gros truc blanc. Ouais. Et... Tu peux faire la même chose avec le rouge, en quelque sorte. Peut-être qu'intuitivement, le truc d'en bas, c'est juste de dire les petites boucles du bleu, on va les rajouter au blanc, et on dit ces petites boucles, c'est comme le rouge. les petites boucles du bleu, on va les rajouter au blanc. C'est plutôt l'intuition, c'est plutôt tu enlèves, de mon point de vue, c'est plutôt tu enlèves un chemin de 1,4 au bleu et tu décides maintenant que ça c'est le rouge. Voilà. Et ça, en fait, enlever ce chemin 1,4, ça réduit la distribution de ce qui reste. Donc intuitivement, c'est ça. Mais pourquoi ça réduit, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Voilà. Oui. C'est ouais, une bonne façon de... C'est vrai que j'aurais pu le dire comme ça. Ouais. Tout à fait. Très bien. Parfait. Bon, voilà. Donc on a cette inégalité. Donc maintenant, dans les 5 dernières minutes, je vais peut-être dépasser de 2 minutes, mais je vais essayer de conclure ça. D'accord? On n'en est pas loin. Alors... Ah oui, non, mais en fait, on n'en est vraiment pas loin. Hop là. Alors, quelle est la quantité qui nous intéresse? Quelle est la quantité dont on veut qu'elle tende vers 0? On aimerait prendre en quelque sorte les poids 1, 2, 3, 4 de façon... on aimerait moyenner sur les positions de 1, 2, 3 et 4. Donc en particulier, on aimerait prendre la somme de, on va fixer 1, et on aimerait prendre la somme de U4, bêta, de 1, 2, 3, 4, et on aimerait sommer sur 2, 3 et 4. D'accord? Ça, ce serait une genre de moyenne des fonctions de corrélation. Alors maintenant, à quoi on veut la comparer, cette moyenne? Quelle est la chose typique? On aimerait comparer au cas, c'est dommage que j'ai complètement effacé, on aimerait comparer au cas où, pour montrer qu'elle tend vers 0, on aimerait dire, ok, imaginons qu'elle ne tende pas vers 0, que cette chose-là, elle soit par exemple typiquement du terme 1, 2, 3, 4, de l'ordre de ce terme-là. Imaginons que ce ne soit pas du tout, qu'il n'y ait pas d'annulation en quelque sorte. Donc si je sommais, mettons juste une petite parenthèse là, si j'ai la somme de sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sur 2, 3 et 4. Bon là, je tombe sur l'infini parce que sigma 3, bah... Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand je prends mes corrélations, là, j'ai quand même... Il y a vraiment des corrélations. Donc si sigma 3 tend vers l'infini, si ces deux points-là tendent vers l'infini, cette chose-là va vraiment tendre vers 0. D'accord? Donc ici, il y a une corrélation qui va être en fait encodée par le fait que l'important, c'est de prendre sigma 3 à une certaine distance de 1. Et cette certaine distance, c'est ce qu'on appelle la longueur de corrélation. Donc on va prendre sigma 3, enfin on va prendre 3, dans une boîte qui est typiquement de l'ordre de ce qu'on appelle la longueur de corrélation, que je vais vous définir dans 2 secondes. Donc cette chose-là, le troisième, c'est comme si on sommait sur bêta... xi bêta, excusez-moi, à la puissance d. Donc il y aura xi bêta à la puissance d choix pour le troisième. Et maintenant, quand je somme sur 2 avec 1 fixé, j'obtiens quoi? J'obtiens cette susceptibilité dont je vous parlais, la moyenne sur tout le monde, qu'on appelle chi de bêta. Donc je vais avoir chi de bêta, et quand je vais sommer sur 4 avec 3 fixé, je vais avoir chi de bêta. Donc ce que j'aimerais, c'est regarder cette quantité divisée par chi de bêta au carré fois xi bêta puissance d. Et cette quantité, je vais l'appeler la constante de couplage renormalisée. Donc ça, c'est la constante de couplage renormalisée. Donc dites-vous vraiment, l'intuition, c'est que si U4, il n'y a vraiment pas d'annulation qui se passe, ce truc-là est d'ordre 1. Donc ici, chi de bêta, c'est la somme de sigma 1, sigma x pour x dans Zd. Et xi bêta, je dois vous dire ce que c'est. Xi bêta, c'est 1 sur la limite quand x tend vers l'infini de moins 1 sur distance avec x log de sigma 0, sigma x bêta. Ce n'est pas tout à fait défini, donc attends, on va mettre n tend vers plus infini, de 1 sur n, et ici je vais prendre n fois le vecteur E1. Comme ça, c'est bien défini. Donc tout ça, pour que ça ce soit bien défini, ici il faudrait qu'il y ait une décroissance exponentielle, donc je vais regarder pour bêta plus petit que bêta c, je regarde cette quantité. Voilà, c'est une définition hein, à prendre en ce qu'on appelle la constante de couplage renormalisée. Elle ne vaut pas 0 a priori, d'accord? S'il n'y a pas d'annulation, elle ne vaut vraiment pas 0. Mais notre but, c'est en fait de montrer, donc théorème d'Eisenman et indépendamment de Froelich, c'est de montrer que G de bêta tend vers 0 quand bêta tend vers bêta c. Donc asymptotiquement, quand on approche le point critique, la constante de couplage renormalisée tend vers 0. Donc on a un champ qui est trivial. Alors essayons de montrer ça. On y est quasiment. Je suis désolé, je déborde de 5 minutes, mais c'est un petit peu dommage de repousser ça, surtout pour ceux qui ne seront pas là la semaine prochaine. Hop là. Alors il y a une première chose, c'est d'observer que xi bêta, il peut être comparé à la fonction xi bêta bar, qui va être l'infimum des n, telle que la somme de sigma 0, sigma x pour x sur le bord de la boîte, est plus petite que, je vais prendre 1 sur e, juste pour... ça comme ça. Alors voilà, c'est une quantité que je définis comme ça. C'est la première quantité. Quand on voit les phi p de s, phi bêta de s en quelque sorte, c'est le plus petit n pour lequel le phi bêta de n, de la boîte de taille n, est plus petit que 1 sur e. D'accord? Est-ce que vous avez une idée comment on peut comparer xi bêta bar et xi bêta? Est-ce qu'il y a une inégalité qui semblerait claire, par exemple? Si je reprends le calcul que j'ai fait avec le phi bêta de S, qu'est-ce que j'obtenais? Si je prends en xi bêta bar, ça c'est mon phi bêta de xi bêta, d'accord? J'obtiens automatiquement, donc là, astuce, j'obtiens automatiquement que sigma 0, sigma de NE1, ou de N xi bêta bar E1, ben, ça va être plus petit que quoi? Ça va être plus petit que ce qu'on avait appelé phi bêta tilde de la boîte psi bêta bar à la puissance n. D'accord? Donc ça va être plus petit que l'exponentielle de moins n avec cette notation-là. Mais ça, c'est donc exponentielle de moins n xi bêta bar sur xi bêta bar. Donc ça nous dit quoi sur xi bêta par rapport à xi bêta bar? Je vais forcément le faire dans le mauvais sens. Donc ça nous dit que xi bêta bar, ça doit être probablement plus petit ou égal à xi bêta. Raté. Raté ou pas raté? Donc ça, c'est plus grand peut-être. Bon. Donc cette quantité, elle se comporte comme exponentielle de moins n sur xi bêta. Voilà. Et donc c'est croissant. Donc c'est comme ça. OK. N'hésitez pas à me dire que je ne sais pas calculer. Exponentielle de moins 1 sur x, ça fait beaucoup d'échanges en fait. Je crois que c'est bon là. D'accord? À l'inverse, si vous calculez cette quantité-là, mais que vous prenez des x qui sont à distance plus grande que grand C xi bêta log de xi bêta. D'accord? Donc appelons ça grand N. Si vous prenez un x qui est plus grand que ça et que vous utilisez en gros cette formule que je n'ai pas tout à fait justifiée, mais qui est que la vitesse, ça c'est à peu près l'ordre de grandeur de votre corrélation de spin. Ça va vous dire que sigma 0, sigma x, dans ce cas-là, est plus petit que 1 sur exponentielle de moins xi bêta log de xi bêta sur xi bêta fois c. Donc ça va me donner à peu près 1 sur xi bêta à la puissance c. D'accord? peu près. Je suis en train de tricher un petit peu, mais j'ai quand même envie de vous libérer pas trop tard. Mais du coup, si je prends un C qui est très grand, qui est beaucoup plus grand que D-1, si je somme sur tous les gens sur le bord de ma boîte, je vais tomber sur 0 quand même. Enfin, je vais tomber sur quelque chose proche de 0 quand même. Donc ça ne dit que cette personne-là est plus grande, il est plus grand que cet infimum. Donc ça nous dit que xi bêta bar est plus petit ou égal à grand C xi bêta log de xi bêta. Voilà. Bon, là, j'ai sauté des petites étapes, mais c'est des petites étapes. Vraiment, si vous voulez essayer de le prouver rigoureusement, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de, là, il n'y a pas de, je ne suis pas en train de cacher quelque chose sous le tapis. C'est vraiment des choses qui sont accessibles à tous. Donc, ce xi bêta bar, hein, en quelque sorte, c'est une comparaison. On peut le comparer à xi bêta. Du coup, pourquoi je me suis battu à essayer de vous montrer ça, enfin à vous introduire ça? C'est parce que si je calcule la susceptibilité, est-ce que je peux trouver une borne en fonction de la, longueur de corrélation xi bêta, excusez-moi. Bon, ça c'est la somme sur tous les x dans Zd. D'accord? Mais faites des paquets de taille xi bêta. Des boîtes, vous pavez votre chose en boîte de taille xi bêta. À chaque fois, si vous voulez avoir la corrélation entre 0 et un point x qui est par là, vous devez passer, si cette boîte elle est à distance k de cette boîte-là, k xi bêta de cette boîte-là. À chaque fois que vous allez à distance xi bêta, vous payez un coût 1 sur e, en quelque sorte, avec cet argument de Simon Lieb. Donc vous allez payer un exponentiel de moins k, et après vous allez être par là, et vous allez sommer sur tous les points qui sont dans la boîte de taille xi bêta autour de vous. Donc une grosse, là de nouveau, je vais vite, je repasserai peut-être, je vais peut-être refaire ça au début du cours prochain, mais ça, c'est plus petit en quelque sorte que la somme sur les boîtes de exponentielle de moins, on va directement faire, il y a k boîtes qui sont à distance k, j'ai un exponentiel de moins k, donc c'est la somme sur k. Et là ici, j'ai la somme pour les x sur la boîte de taille xi bêta de sigma 0, sigma x. Donc, qu'est-ce que je viens de montrer là? J'ai montré que c'était plus petit que constante fois quelque chose qui ne dépend plus que de la boîte de taille xi bêta. Excusez-moi. Maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser la borne infrarouge. Ça, c'est plus petit que 1 sur x à la puissance d-2. Quand je somme sur la boîte, j'obtiens quoi? J'obtiens xi bêta au carré. C'est le temps passé par votre marche aléatoire dans la boîte de taille n. C'est n carré, à peu près. Donc, j'obtiens c fois xi bêta au carré. Tout ça pour dire que ce g de bêta, maintenant, si j'ai envie de le borner, donc là, c'est la preuve qui commence maintenant, g de bêta, si j'ai envie de le borner, c'est plus petit que la somme sur y de sigma 1. Donc, c'est la somme. Donc, déjà, c'est 1 sur ça. Après, j'ai la somme sur 2, 3, 4 et y de sigma 1, sigma y, etc. Par invariance par translation, vous pouvez fixer y et dire que c'est vraiment la somme sur 1, somme sur 2, sur 3, sur 4. Donc ça vaut quoi ça? Ça vaut juste la fonction de corrélation, ça vaut juste la susceptibilité à la puissance 4, c'est une égalité. Donc tout ça c'est la susceptibilité à la puissance 4 divisé par la susceptibilité au carré fois xi bêta à la puissance d. Maintenant j'utilise ma jolie borne Excusez-moi, là c'était un bar si je voulais être précis, parce que c'était les bars ici. Donc c'était plus petit que C xi bêta log de xi bêta au carré, avec une constante C', on va dire. Donc là ici, le xi de bêta au carré, je vais le borner par ça. Donc ça va me donner plus petit que xi bêta puissance 4 log de xi bêta puissance 4, une très grosse constante, divisée par xi bêta à la puissance D. Maintenant, je vous ai dit au point critique, il n'y a pas décroissance exponentielle. Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas décroissance exponentielle au point critique en termes de xi bêta? Ça veut dire que xi bêta tend vers plus l'infini. Du coup, ici, vous voyez que dès que la dimension D est strictement plus grande que 4, cette chose-là tend vers 0. Elle tend vers 0 quand bêta tend vers bêta C. Alors voilà, bon, la fin... Je suis allé trop vite, j'en ai conscience. Mais bon, c'est un théorème vraiment non trivial, donc j'avais quand même envie de vous faire la fin de la preuve. Je ne vous ai pas caché de... Là, ici, il y a vraiment... ces choses-là, c'est des exercices. On ne parle pas de remplir les trous dans la preuve. Là, c'est vraiment, vraiment des tout petits exercices. Donc, vous avez une preuve complète du résultat de trivialité en dimension 4, enfin en dimension 5 et plus. La semaine prochaine, je vous montrerai qu'en fait, au point où on en est là, on peut aussi, par exemple... étudier le comportement de xi bêta, de la susceptibilité, et montrer que l'exposant est 1, en fait. Donc ça va se comporter comme 1 sur bêta c moins bêta. Ce sera facile à montrer de là. Et c'est un autre exposant critique, c'est une autre manifestation du fait que en fait, le modèle a ce qu'on appelle un comportement en champ moyen. Puis après, on passera à la dimension 3 pour montrer que la transition est continue. Là, ce sera moins technique, ça va être plus géométrique, les techniques. Puis après, on ira faire la déco... Enfin, on se conforme en dimension 2. Voilà, bah merci de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Et à la semaine prochaine, j'espère.